السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Parmi ces batailles, il y avait la bataille de Junday Sabur. Et complété les conquêtes des villes sassanides, Abu Sabra bin Sabra s'est avancé avec son armée et il a campé à Junday Sabur, qui est une ville du Rosistan. Il y avait des combats contre l'ennemi matin-soir. L'ennemi qui ne bougeait pas tant et si bien qu'un musulman a offert à l'ennemi un gage de sécurité. L'ennemi était dans une ville forteresse et l'ennemi sortait à sa guise pour lancer des assauts. C'était un musulman ordinaire et non un commandant qui avait offert ce gage de sécurité à l'ennemi. Et par la suite, l'ennemi a immédiatement ouvert les portes de la ville-forteresse. Les animaux sortaient, les marchés étaient ouverts et on voyait les gens vaquer à leurs occupations. Les musulmans leur ont demandé la raison de tout ce mouvement. Ils ont répondu "Vous nous avez offert votre gage de sécurité et nous l'avons accepté. Nous allons payer la et vous allez nous accorder votre protection." Les musulmans ont répondu "Nous n'avons jamais fait pareille promesse." Les persans ont déclaré Nous ne mentons pas Sur ce, les musulmans se sont interrogés les uns les autres et ils ont su qu'un esclave du nom de Mirnaf en était la cause. Lorsqu'on a demandé conseil au calife Omar à ce propos, le calife Omar a répondu à la fidélité revêt aux yeux d'Allah une grande importance. Et vous ne serez point fidèle à votre parole tant que vous ne respectez pas cette promesse. Même si c'est un esclave qui a fait cette promesse, il vous incombe de la respecter. Accordez aux personnes du répit tant que vous êtes dans le doute et respectez votre promesse à leur égard. Les musulmans ont ratifié le pacte et sont retournés. Cette bataille concluait la conquête du Rouzistan. Hazrat Muslim Aoud Arad relate cet incident en ces termes. Il déclare un esclave à l'époque du calife Omar avait garanti certaines concessions à une population. Quand l'armée musulmane est arrivée dans leur région, les Persans ont présenté les accords conclus avec eux. Le commandant de l'armée musulmane a hésité à accepter cela. L'affaire fut présentée au calife Omar qui déclare qu'un musulman ne doit pas violer sa promesse même s'il s'agit de celle faite par un esclave. Hazrat Maud déclare, à l'époque du calife Omar, une armée ennemie a été vaincue et l'ennemi s'est dit qu'il n'y avait plus d'issue de secours. Il s'agit de l'incident précédent que le Maud a expliqué en ces mots. Le Maud déclare que l'ennemi s'est dit que le commandant musulman va conquérir notre forteresse grâce à ses assauts répétés. S'il remporte la victoire sur nous, nous recevrons le même traitement que les terres conquises. Tout musulman connaissait la différence entre les ennemis conquis et ceux avec qui ils pactisaient. Les ennemis conquis étaient sujets à la loi islamique générale, et ceux qui signaient un traité pouvaient y inclure leurs conditions ou exiger plus de droits. L'ennemi a tenté de trouver un moyen pour conclure un pacte aux conditions favorables. Un jour, ils sont partis voir un esclave musulman qui s'approvisionnait en eau. Et ils lui ont demandé, signer un traité est-il meilleur que poursuivre le combat L'esclave a répondu, conclure un traité est certes meilleur. Et il n'était pas quelqu'un d'instruit. Les Perses lui ont demandé, en ce cas, pourquoi ne pas nous laisser vivre libres sur nos terre et rien nous imposer Et nous aurons pleine possession de nos biens et vous, vous aurez pleine possession de vos biens. L'esclave a répondu, d'accord, sur ce, les Perses ont ouvert les portes de la forteresse. Quand l'armée musulmane était sur les lieux, les Perses leur ont dit que nous avons conclu un accord avec vous. Les musulmans ont demandé quand cela, quel commandant l'a-t-il fait. Les persans ont répondu que nous ignorons qui sont vos commandants. Un homme remplissait de l'eau ici et nous lui avons parlé et il nous a dit ceci. Les musulmans se sont dit, un esclave était sorti, demandez-lui ce qui s'est passé. L'esclave abyssinien a répondu, oui, ils m'en ont parlé. Les musulmans ont dit qu'il était un esclave et qui lui a donné l'autorisation de prendre cette décision. Les persans ont déclaré que nous ne savions pas s'il était votre commandant ou non. Nous sommes des étrangers quant à nous et nous pensions qu'il était votre général. Ils ont fait preuve de ruse. L'officier musulman dit que je ne peux pas croire cela, mais j'en informe le calife Omar. Quand le calife Omar a reçu cette lettre, il a déclaré à l'avenir annoncé que seul le commandant en chef peut conclure des accords. Mais je ne peux pas démentir une promesse qui a été faite par un musulman. Vous allez devoir respecter l'accord conclu par cet esclave abyssinien. Pour l'avenir annoncé, qu'hormis le commandant en chef, et personne d'autre ne pourra conclure de traité avec n'importe quelle nation. Voici les raisons qui ont poussé le calife Omar à conquérir l'Iran. Le calife Omar souhaitait sincèrement que cette guerre sanglante se termine avec les batailles de l'Irak et d'Arwaz. À ses yeux, il n'y avait aucune raison de mener la guerre. L'ennemi a été attaqué, une fois qu'il a été éliminé et que son pouvoir a été annihilé, la guerre doit s'arrêter ici. À maintes reprises, le calife Omar a exprimé le souhait qu'il y ait une barrière entre les musulmans et les persans afin que les persans ne puissent pas venir vers les musulmans et afin que les musulmans ne puissent pas partir vers les persans. Mais les opérations militaires constantes de l'État perse ont réduit à néant ces suites. En l'an 17 de l'Égypte, une délégation de chefs musulmans de la ligne de front s'est présentée au calife Omar. Et celui-ci a demandé pourquoi il y avait tant de violations des alliances et la révolte dans les zones conquises. Le calife Omar a exprimé le soupçon que les musulmans étaient la cause des problèmes aux habitants des zones conquises. Et c'était là, à ses yeux, la raison de la violation des traités par les populations conquises. La délégation a expliqué qu'il n'en était pas ainsi. Ils ont déclaré que les musulmans travaillent en toute loyauté et font une bonne gestion des affaires. Le calife Omar a demandé :« Eh bien, quelle en est la cause ?» Le reste de la délégation n'ayant pas pu donner de réponse satisfaisante. Ahnaf Minkays a déclaré, ô émir des croyants, Je vous informe de la situation réelle. Vous nous avez interdit toute autre action militaire et vous nous avez ordonné de ne plus combattre et de rester dans la zone conquise jusqu'à présent. Mais le roi persan est toujours en vie et tant qu'il sera présent, les persans vont continuer à nous combattre et il ne peut y avoir deux États dans le même pays. Dans tous les cas, un de ces deux États doit repousser l'autre. Il y aura soit nous les musulmans, soit les persans. Nous ne pouvons pas coexister. Vous savez très bien que nous n'avons pris aucun territoire nous-mêmes, mais nous avons conquis ces terres suite aux attaques ennemies. Nous n'avons jamais commencé les hostilités et ce, en accord à vos ordres. Si l'ennemi attaquait, nous étions obligés de nous battre et les zones étaient conquises. Ceci est la réponse à ceux parmi les musulmans qui justifient, sans raison valable, des guerres. Et cela est une réponse aussi à ceux qui critiquent l'islam. En réalité, jamais les musulmans n'ont mené de guerre pour conquérir des territoires. Lorsqu'ils étaient attaqués, ils se battaient pour rétablir la paix. Et par la suite, il y a eu des victoires. En tout cas, les membres de cette délégation ont expliqué que le roi persan envoyait ses armées et que cela va continuer jusqu'à ce que le calife nous permette de prendre d'autres mesures militaires et d'expulser le roi perse du territoire persan. C'était ainsi que l'on pourra anéantir les espoirs de reconquête des Perses. Tel était l'effet réel. Le calife Omar, tout en déclarant que cette opinion était correcte, a compris qu'il n'y avait désormais aucune issue en Iran sans d'autres avancées militaires. Il était contraint d'entreprendre ces avancées militaires. Sans cela, ils ne pourront établir la paix et le sang des musulmans va couler et il y aura d'autres batailles. Mais ce n'est que deux ans et demi plus tard, soit après la bataille de Nahamand en l'an 21 de l'Egypte, que le calife romar a pris cette décision a l'occasion les persans étaient sortis pour combattre les musulmans avec une grande force et une bataille féroce a eu lieu contre les musulmans dans la ville de naraband La bataille de Nahavand est aussi appelée Fatah al-Futur, la plus grande des conquêtes dans les annales des campagnes victorieuses des musulmans en Iran et en Irak. Trois batailles sont décisives dans la campagne de guerre des musulmans en Iran et en Irak. Il y avait la bataille de Khadija, la bataille de Jaloula et la bataille de Nahavand. Et la conquête de Nahwund était si importante, eu égard à ses conséquences, qu'elle était connue chez les musulmans sous le titre de Fatah al-Futur, c'est-à-dire la plus grande des conquêtes. Cette bataille de Nahwund était la dernière tentative d'une telle attaque par les Persans après les deux premières défaites majeures. Voici les détails de cette bataille. Yezjed, le chat de la Perse, se trouvait à Merve. Akum, selon un récit d'Abu Hanifa d'Inawari, et le Shah de la Perse avait commencé à réunir son armée contre les musulmans au prix de grands moyens. Par ces lettres, il a créé un grand mouvement du Khorasan jusqu'au Sindh. Des soldats persans de tous bords ont commencé à se rassembler à Nahawand. Nahawand est une ville persane située à l'est de Kermanshah et à environ 70 km au sud de Hamdan, à la capitale de la province de Hamdan. Nahawand était une ville entièrement nichée dans les montagnes. Saad a envoyé le rapport de cette armée au calife Omar à Médine. Quelques jours plus tard, Saad a été relevé de son poste par le calife Omar et il a eu l'occasion de se rendre à Médine où il a donné toutes ses informations verbales au calife. Le calife a relevé Saad pour confier ce poste important à Omar bin Yasser. Omar bin Yassir avait l'habitude d'envoyer à Médine des informations qu'il recevait dans le cadre de cette opération militaire des Persans. Le calife Omar a tenu une rencontre consultative et il est monté sur la chair et il a prononcé un discours, discours dans lequel il a déclaré Au peuple de l'Arabie, Allah vous a soutenu par l'islam et il vous a uni après la division. Et il vous a enrichi après la famine, et il vous a accordé la victoire là où vous aviez combattu l'ennemi. Jamais vous n'avez été abattu ou dominé. À présent Satan a rassemblé des armées pour éteindre la lumière de Dieu. Et ceci est la lettre d'Amar bin Yasir que les habitants de Commiss, de Tabristan, de Namawanda, de Dirjan, d'Espahan de koum de Hamdan, de Mahin et de Sabzan. Il déclare que les habitants de ces villes sont en train de se rassembler autour de leur roi afin de combattre vos frères qui sont à Koufa et à Bassora pour les expulser de leur patrie et pour envahir votre pays. Ô gens, donnez-moi vos conseils. Cette affaire est importante et je pense que vos discussions ne seront pas longues et que vous n'aurez pas des divergences d'opinion conseillez moi dans les plus brefs délais. Serait-il approprié pour moi de me rendre en personne en Perse et de soutenir mon armée en restant dans quelque endroit convenable entre Bassora et Koufa Et si par la grâce de Dieu je remporte cette bataille, j'enverrai mon armée avancer sur le territoire ennemi. Après le discours du calife Omar, Talha bin s'est levé et après avoir récité le Tacharod, il a déclaré au émir des croyants. Les affaires de l'État vous ont accordé perspicacité et l'expérience vous a rendu sage. Faites ce que vous souhaitez faire et accomplissez ce que vous pensez être le mieux. Nous sommes avec vous. Vous nous ordonnez et nous allons obéir. Appelez-nous et nous allons répondre à votre appel. Envoyez-nous et nous allons partir. Si vous voulez nous emmener avec vous, nous serons avec vous. Prenez la décision vous-même parce que vous êtes bien informé et vous êtes une personne d'expérience. Talha s'est assis après son allocution, mais le calife Omar a voulu demander conseil. Il a déclaré aux gens, dites quelque chose parce que les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences à long terme. Sur ce, de Aradalanhu s'est levé et il a déclaré aux émir des croyants. Selon moi, vous devriez envoyer des ordres en Syrie et au Yémen pour qu'ils envoient des forces musulmanes de là-bas en Iran. De même, envoyez des ordres aux forces de Bassora que les troupes doivent également partir de là. Et vous-même, vous devez prendre les forces du Hejaz et partir pour Kufa. Cela va amoindrir la menace que vous ressentez du grand nombre d'ennemis. Il s'agit en effet d'une situation qui aura des conséquences à long terme. Il est important que vous fassiez votre propre opinion et que vous soyez présent avec vos collègues. C'est-à-dire que le calife devra se rendre en personne au front. La plupart des gens du conseil ont apprécié cette suggestion de Rothman et les musulmans ont tous dit que c'était juste. Le calife Omar a demandé plus de conseils. Il n'a pas accepté ce dernier conseil. Il a déclaré, Donnez-moi plus de conseils. Ali s'est levé et il a prononcé un long discours. Il a déclaré, Ô Émir des croyants, si vous ordonnez aux forces syriennes de se retirer, la puissance romaine va occuper la Syrie. Si les forces islamiques se retirent du Yémen, la puissance abyssinienne va occuper le Yémen. Si vous partez d'ici en personne, les musulmans de tous les coins du pays vont entendre que vous êtes partis et ils vont se précipiter à votre secours. Et ce vide dans le pays créera ici un plus grand danger que le danger que vous souhaitez affronter ailleurs. Ali a donné ce conseil, ordonné à Bassora de diviser l'armée en trois parties. Une partie devra être laissée pour la protection des habitations et des environs de la population islamique. Une partie devra être réservée dans la zone conquise avec laquelle la paix a été conclue, afin qu'en temps de guerre, les gens ne puissent pas rompre leurs promesses et se révolter. Et une partie doit être envoyée aux musulmans pour aider le peuple de Koufa. De même, écrivez aux habitants de Koufa et demandez-leur de laisser là-bas une partie de l'armée et d'envoyer deux parties de l'ennemi à la rencontre de l'ennemi. De même, envoyer des ordres aux forces syriennes que deux parties de l'armée doivent rester en Syrie et une partie doit partir en Perse, et donner les mêmes ordres aux gens d'Oman et des autres régions et des villes du pays. Il n'est pas approprié pour vous de partir en personne sur le front parce que vous êtes semblable à cette ficelle qui réunit les perles. Si la ficelle se casse, les perles vont s'éparpiller et jamais les perles ne seront unies. Et si les Perses entendent que le souverain des Arabes est venu au front, ils vont utiliser toutes leurs forces et ils viendront combattre de toutes leurs forces. Allah regarde avec une plus forte aversion le mouvement de l'ennemi que le vôtre. Allah a le pouvoir de changer la chose qu'il n'aime pas. En ce qui concerne les troupes plus nombreuses de l'ennemi, sachez que dans le passé, notre tradition était de ne pas combattre en plaçant notre confiance dans la force du nombre, mais sur la base du soutien de Dieu. Et dans notre cas, la victoire et la défaite n'étaient pas dues à la supériorité ou l'infériorité numérique de l'armée. Il s'agit de la religion de Dieu, religion à laquelle Dieu a accordé la suprématie. Ceci est l'armée de Dieu, armée qu'il a aidée et qu'il a soutenue à travers les anges et qui l'a menée à cette position. Dieu nous a fait des promesses qu'il va certainement accomplir et il va certainement aider son armée. Le calife a répondu « Oui, c'est vrai ». Si je partais en personne, les musulmans viendront de toutes parts du pays, et les Persans eux-mêmes sortiraient en force pour aider leurs camarades, et ils diront, le plus grand chef arabe est sorti sur le champ de bataille. Si nous gagnons cette bataille, c'est comme si nous avions tué tous les Arabes. C'est pourquoi il n'est pas approprié que je pars en personne. C'est-à-dire que l'ennemi dira que si nous gagnons cette bataille, toute l'Arabie sera à nous. C'est pourquoi il n'est pas approprié que je parte en personne. Suggérer une personne que je dois envoyer comme commandant de l'armée, mais nommer une personne qui a acquis de l'expérience en participant aux batailles en Irak. Les gens ont répondu :« Vous savez plus que nous sur le peuple irakien et l'armée qui s'y trouve. Ils viennent vous voir en forme de délégation, et vous avez eu la possibilité de les examiner et de leur parler. » Grâce à sa clairvoyance, le calife Omar a choisi Norman Bilmokarine, l'un des compagnons les plus âgés du saint prophète Mohammed, lui, pour endosser cette responsabilité. Selon un récit, Norman était en train de prier dans la mosquée quand le calife Omar est parti à sa rencontre et il s'est assis auprès de lui. Quand Norman a terminé sa prière, le calife lui a dit, je veux te nommer un poste. Norman a déclaré que je suis prêt s'il s'agit d'un poste militaire. Mais s'il si est question de perception des impôts, eh bien, je ne suis pas prêt d'accepter cela. Le calife Norman a déclaré, non, il s'agit d'un poste militaire. Mais il semble que le récit de Tabri est plus proche des faits. Voici ce que dit Tabri à propos de la nomination de Norman bin Mukharin sur le front de Nahavand. Ibn Ishaq déclare que, en ce qui concerne les incidents de Nahavand, il est dit que Norman bin Mukharin avait été nommé percepteur d'impôts à Kaskar. Il avait écrit ceci au calife Omar. Que Sarad bin Abi m'a chargé de collecter les impôts fonciers, tandis que j'aime accomplir le djihad et je souhaite en faire partie. Le calife Omar a écrit ceci à Sarad bin Abi Norman m'avait informé que vous lui avez confié la tâche de percevoir les tribus, tandis qu'il n'aime pas cette tâche et qu'il s'intéresse au djihad. Envoyez-le sur le front le plus important de Nahawand. Ainsi donc, ce commandement important a été confié à Norman bin Mokarin et il est parti combattre l'ennemi. Omar lui a écrit cette lettre lorsqu'il était probablement à Koufa. Cette lettre confirme également que Norman n'était pas à Médine mais qu'il était à Koufa. Le calife Omar lui a donc écrit cette lettre à ce moment-là. Et le calife Omar lui a dit dans cette lettre « Bismillahirrahmanirrahim »« Voici une lettre envoyée à Noman bin Moukarrin, que la paix soit sur toi » Ensuite, il a écrit « Je loue Dieu en dehors de qui il n'y a pas d'autre Dieu » J'ai appris qu'une grande armée de persans s'était rassemblée dans la ville de Narawan pour vous combattre Lorsque vous allez recevoir cette lettre de ma part, avec l'ordre de Dieu et avec son aide et son soutien Partez avec vos compagnons musulmans, mais ne les emmenez pas dans une zone sèche où il est difficile de marcher, et ne mettez pas à mal leurs droits de peur qu'ils ne deviennent ingrats. Et ne les emmenez pas non plus dans une zone marécageuse, car la vie d'un musulman est plus chère que cent mille dinars. Wassalamu alaikum. En obéissance à cet ordre, Norman est sorti affronter l'ennemi. Il était accompagné de musulmans distingués et braves à l'instar de Josefa bin Yaman, de Ibn Umar, de Jarir bin Abdillah Bajli, de Mourira bin Shorba, d'Amr bin Mehdi Karib, de Tulayha bin Khouaïlid et de Qais bin Makshur. Le calife Omar a indiqué que si Norman bin Muqarin tombait en martyr, il sera remplacé par Josefa bin Yaman. Et si Josefa tombait en martyr, Jarib bin Abdullah Bajdi va le remplacer. Et si celui-ci tombait en martyr, Mourira bin Shorbal allait le remplacer. Et si Mourira tombait en martyr, Ashraf bin Kais allait le remplacer. Et le calife Omar a écrit à Norman bin Mukharin Kamra bin Mehdi Karib et Tulayha bin Khoelid sont avec vous. Ils sont deux cavaliers des Arabes. Prenez conseil auprès d'eux en matière de guerre, mais il ne faut pas en faire des officiers dans aucun domaine. L'armée islamique est partie et Norman bin Mukharin avait découvert par des espions que la route de Norman où l'armée ennemie était rassemblée était libre. Et les musulmans avaient su que l'ennemi s'était rassemblé en grand nombre. Selon les historiens, le nombre de cette armée était de 60 000 à 100 000 soldats. Mais selon les récits d'Al-Bukhari, ce nombre était de 40 000. Le chiffre de 60 000 soldats ou de 100 000 soldats est une exagération. Selon Al-Bukhari, le nombre de soldats ennemis était de 40 000. La nuit voulait parlementer avec un émissaire et Mourira bin Shorba est parti à leur rencontre. Les persans ont tenu une réunion en grande pompe. Le général persan était assis sur un trône d'or avec une couronne sur la tête. Les courtisans disposaient d'armes qui éblouissaient les yeux. Le traducteur était présent. Le commandant persan a répété la même vieille histoire. Et il a mentionné la condition ignoble des Arabes dans tous les aspects de leur vie. Et il a déclaré que je n'ordonne pas à mes chefs qui sont assis autour de moi de vous tuer parce que je ne veux pas souiller leurs flèches avec vos corps impurs. Qu'Allah nous en préserve. Il a dit Si vous retournez chez vous, eh bien, nous vous laisserons partir. Sinon, vos cadavres vont joncher le champ de bataille. Qu'est-il advenu de ces ridicules menaces de l'ennemi nuit Mourira bin Shorba a déclaré Ce temps d'avant l'avènement du Saint-Prophète Mohammed et sa lui est révolu. L'arrivée du Saint-Prophète Mohammed et sa lui a tout changé chez nous. Ainsi donc, l'ambassade a échoué et les deux armées se sont préparées pour la bataille. Norman bin Muqarine a été nommé le commandant de l'armée islamique, et le commandement des deux ailes de l'armée était entre les mains de Husayfa bin Yaman et de Soueid bin Al-Kaka était l'officier de la cavalerie de la première ligne et l'arrière de l'armée était dirigé par Majasha. Des affrontements ont éclaté, mais la situation sur le champ de bataille était très préjudiciable aux musulmans, car l'ennemi était en sécurité grâce à ses tranchées, ses forts et ses maisons. Les musulmans étaient à découvert. Lorsque l'ennemi jugeait bon pour lui, il sortait soudainement et attaquait, puis retournait derrière ses protections. La condition de l'ennemi en termes d'armes était telle qu'un narrateur déclare que Lorsque je les ai vus passer quelque part, il me semblait qu'il s'agissait de montagnes de fer. Voyant cette situation, le commandant de l'armée islamique Norman Milmukradin a convoqué une réunion au cours de laquelle il a appelé les gens expérimentés et avisés de l'armée. Il s'est adressé à eux et il leur a dit ⁇ Voyez à quel point l'ennemi est en sécurité derrière ses forts, dans ses tranchées, derrière ses bâtiments. ⁇ L'ennemi sort à sa guise et les musulmans ne peuvent pas le combattre à moins qu'il ne veuille sortir et se battre. Et d'autre part, l'ennemi reçoit constamment des renforts. Et vous voyez à quel point le sort des musulmans est déplorable. Quel est le moyen à adopter afin de forcer l'ennemi à sortir sur le champ de bataille sans délai en entendant cela, l'homme le plus âgé de l'assemblée, qui se nommait Amr bin Subay, a pris la parole et il a déclaré que l'ennemi est assiégé dans ses forts et le siège est en train de se rallonger. Ceci est plus douloureux et plus difficile pour l'ennemi que pour l'armée islamique. Laissez l'affaire se traîner et rallonger le siège. Oui, on doit combattre ceux qui sortent nous combattre. Mais l'Assemblée n'a pas accepté cette proposition d'Amr bin Subay. Sur ce, Amr bin Mehdi Karib a déclaré Il n'y a rien à craindre, allez-y de toutes vos forces et attaquez l'ennemi. Mais cette proposition a également été rejetée. Les anciens combattants ont objecté qu'en cas d'attaque supplémentaire, nous n'allons pas faire face à des humains, mais à des murs. C'est-à-dire que les murs aident l'ennemi contre nous. Ils sont enfermés dans leur fort et il n'y a pas d'ennemi en face. Tolaira s'est levé, il a déclaré. Je ne pense pas que l'opinion de ces deux messieurs soit correcte. Il faut envoyer, selon moi, un petit détachement contre l'ennemi qui s'approchera et qui va tirer ses flèches pour provoquer des combats. L'ennemi va sortir pour combattre ce détachement. Dans ce cas, notre détachement devra commencer à battre en retraite et faire semblant de prendre la fuite en déroute. Nous espérons que l'ennemi sortira dans l'espoir de la victoire et quand l'ennemi sera découvert, nous allons nous en occuper. Norman bin a accepté cette proposition et il a demandé à Al-Qaqa de mettre cette tactique en application. Al-Kaka a suivi la suggestion de Tulaira et le résultat était tel que l'avait escompté Tulaira. Petit à petit, Al-Kaka était vaincu par l'ennemi et il battait en retraite. Et l'armée ennemie était ivre de victoire et ils sont tous sortis de la forteresse. Seuls les gardes postés aux portes étaient restés à l'intérieur de leur refuge. L'armée ennemie était sortie de ses positions fortes et l'armée est venue si près de l'armée musulmane que certains musulmans ont été blessés par ses flèches. Mais même en ce cas, Norman n'a pas permis le combat général. Norman était un amoureux du Saint-Prophète Mohammed lui et la pratique courante du Saint-Prophète P.S.A. lui était que si la bataille ne commençait pas le matin, eh bien, ils commençaient le combat après le déclin du soleil, quand la chaleur n'était pas aussi intense et quand il y avait des vents frais qui soufflaient. Certains musulmans étaient impatients de livrer bataille et leur excitation a été renforcée par le fait que certains ont été blessés par les flèches ennemies. Ils portaient voir le chef de l'armée et ils demandaient la permission de se battre, mais le commandant leur demandait de patienter. Mourira bin Shurba a déclaré tout agité. Si j'étais à votre place, j'aurais autorisé le combat. Norman a répondu, Attendez un peu et soyez patient. Vous étiez certes un fait administrateur lorsque vous étiez le chef. Sachez qu'aujourd'hui, Dieu ne va pas nous humilier. Et nous espérons accomplir avec patience ce que vous souhaitez accomplir rapidement. À la fin de l'après-midi, Norman est monté à cheval. Et il a fait le tour de toute l'armée, et il s'est tenu à côté de chaque drapeau, et il a prononcé un discours très passionné, et il a prié pour son martyr avec des paroles très émouvantes, des paroles qui ont fait pleurer toute l'armée. Après cela, il a déclaré, Je lancerai le takbir à trois reprises, et je vais agiter le drapeau en même temps. La première fois, tout le monde devra être prêt. La deuxième fois, il faudra préparer ses armes. Et ensuite, il faudra être prêt à foncer sur l'ennemi. Et la troisième fois, en lançant le takbir et en agitant le drapeau, je vais rejoindre à les rangs de l'ennemi. Chacun des vôtres devra attaquer celui qui est en face dans les rangs ennemis. Ensuite, il a prié. Ô Seigneur, honore ta religion et aide tes serviteurs, et en retour, offre le premier martyr à Norman. Telle était la prière du commandant. Quand Norman a lancé le troisième takbir, tous les musulmans sont tombés sur les rangs de l'ennemi. Le narrateur relate qu'il y avait un tel enthousiasme qu'aucun soldat ne s'imaginait revenir vivant ou sans victoire. Norman a pris le drapeau et il a sauté sur l'ennemi si rapidement que les spectateurs croyaient que ce n'était pas le drapeau mais un aigle qui fonçait. Les musulmans ont attaqué à l'unisson avec leurs épées mais les rangs de l'ennemi étaient tellement mûrs face à l'assaut. Il y avait un grand bruit de fer. En raison de l'effusion de sang sur le sol, les chevaux des cavaliers musulmans ont commencé à glisser. Norman a été blessé dans la bataille, son cheval a glissé et il est tombé. Il était aisément reconnaissable grâce à son manteau blanc et son casque. Lorsque son frère Naim bin Mokharin l'a vu tomber, il a soigneusement ramassé le drapeau avant qu'il ne tombe et il a recouvert Norman d'un tissu et il a apporté le drapeau à Josefa bin Yamad, qui était le successeur de Norman. Josefa a emmené Naim bin Mokharin à l'endroit où se trouvait Norman. Et le drapeau a été hissé en cet endroit, et la mort de Norman a été gardée secrète jusqu'à l'issue de la bataille suite au conseil de mourir. Selon Al-Ahwarut Tewara, lorsque Norman bin Mukharin est tombé un martyr son frère l'a pris et l'a emmené dans une tente. Il a porté ses vêtements, il a pris son épée et il est monté sur son cheval et les gens croyaient qu'il s'agissait de Norman Mukwajin. L'historien Tabri a présenté un excellent exemple d'obéissance à l'ordre de l'Émir à un instant des plus critiques. L'historien Tabri écrit qu'il s'agissait d'une étape critique, présentant un excellent exemple de l'obéissance à l'ordre de l'Émir. Norman avait déclaré que même s'il si était tué, personne ne devrait abandonner le combat et se tourner vers lui. Mais on devait continuer le combat contre l'ennemi. Markel déclare que lorsque Norman est tombé, je suis venu vers lui. Ensuite, je me suis souvenu de son ordre et je suis retourné et j'ai continué la bataille. Les combats ont continué avec une grande intensité tout au long de la journée, mais à la tombée de la nuit, l'ennemi a flanché et le terrain est tombé entre les mains des musulmans et les grands dirigeants des persans ont été tués. Markel déclare après la victoire, je suis venu voir Norman. Il avait en lui un soupçon de vie. Il respirait un peu. Et je lui ai lavé le visage avec l'eau de ma gourde. Il a demandé mon nom et il s'est renseigné sur la condition des musulmans. Je lui ai dit Je vous donne la bonne nouvelle de la victoire et de l'aide de Dieu. Il a dit Louange Allah, informé de Califromar. le calife Omar. Le calife Omar attendait avec impatience l'issue de la bataille. La veille de la bataille, il a passé une nuit blanche dans la tourmente. Ses peines et ses souffrances de la prière ressemblaient à celles d'une femme enceinte. Et le messager est arrivé à Médine avec la bonne nouvelle de la victoire. Le calife Omar a déclaré Alhamdulillah et il a demandé l'état de Norman. Lorsque le messager a annoncé la nouvelle de la mort de Norman, le calife Omar a été fort peiné et il a gardé ses mains sur la tête et il a continué à pleurer. Le messager a mentionné les noms des autres martyrs. Il a dit aux émir des croyants Il y a de nombreux autres musulmans qui sont tombés à martyrs et que vous ne connaissez pas. Le calife Omar a pleuré et il a déclaré Cela ne fait pas de différence qu'Omar les connaisse ou pas. Allah les connaît. Bien qu'ils soient inconnus parmi les musulmans, Dieu les a honorés en leur octroyant le martyr. Allah les reconnaît. Et quelle différence cela fait si Omar les connaît ou pas Après la bataille, les musulmans ont poursuivi leurs ennemis jusqu'à Ramadan. Voyant cela, le chef iranien, Khosrow Shinoun a conclu un accord au nom des villes de Ramadan et de Rasghi. Accord qui disait que les musulmans n'attaqueraient pas ces deux villes. Et l'armée musulmane a capturé la ville de Nahramad. La victoire de Nahman a été très significative. Par la suite, les Persans n'ont pas eu la chance de combattre à l'unisson les musulmans. Et les musulmans ont nommé cette victoire Fatah al-Futur, c'est-à-dire la plus grande des conquêtes. <laughs> Comment est née la campagne générale contre la Perse? D'un point de vue moral et juridique, les musulmans étaient tout à fait compétents pour briser complètement le pouvoir agressif de l'État perse étant donné que l'ennemi lançait des assauts successifs. Cependant, le cœur plein de compassion du calife Omar détestait plus d'effusion de sang à chaque tournant. Ce sincère serviteur du saint prophète Mohammed Pesos lui avait un désir sincère que l'Empire perse soit vaincu sur la région frontalière et de mettre fin aux opérations militaires et d'arrêter cette guerre. Non seulement que Omar a exprimé ce désir à plusieurs reprises, mais il a aussi interdit aux forces musulmanes en territoire iranien et irakien de mener toute avancée de leur propre chef. Mais en raison des nouvelles opérations militaires ennemies et de soulèvements répétés dans les zones conquises, ce souhait n'a pas pu être exaucé. Après avoir parlé à une délégation de personnes avisées venues de la ligne de front, il a tiré la conclusion qu'il n'avait pas de solution sans nouvelle action militaire. Cela s'est passé en l'an 17 de l'Égypte, mais en dépit de cela, il n'a pas permis aux forces d'avancer durant une longue période. Mais comme mentionné précédemment, la patience n'était plus de mise. Le calife Omar a constaté que Yezjad incitait continuellement à la guerre en envoyant des troupes chaque année. À maintes reprises, les gens avaient plaidé auprès du calife Omar que tant que le roi perse sera au pouvoir, il ne va pas changer d'opinion. Et à la bataille de Naravan avait renforcé cette opinion. Forcé par ces circonstances, le calife Omar au avait autorisé une avancée militaire après la bataille de Narawan en l'an 21 de l'Égypte. Il a fait un plan pour la conquête de la Perse tout entière et il a lancé l'armée de Koufa, qui était le cantonnement pour ses activités militaires. Le calife Omar a nommé différents commandants pour différentes parties de l'Iran et il leur a envoyé des drapeaux de Médine. Le drapeau de Khorassan a été envoyé à Hnaf bin Kays. le drapeau de Stakhr a été envoyé à Othman bin Abu As, le drapeau d'Ardashir et de Sabour a été envoyé à Majashi bin Masoud et le drapeau de Fasa et de Dara Baridja a été envoyé à Saria bin Zunaim. Il a confié le drapeau du Sergistan à Asim bin Amr. Et il a confié le drapeau de Makran à Hakam bin Amr. Et à Suhail bin Adi, il a confié le drapeau de Karman. Il a envoyé les drapeaux à Odba bin Farkid et Bakir bin Abdullah pour la conquête de l'Azerbaïdjan. Et il a ordonné que l'Azerbaïdjan soit attaqué par la droite, par Halwan et par Mossoul, par la gauche. Et le drapeau de la campagne d'Isparan a été présenté à Abdullah bin Abdullah. L'expédition d'Isparant a été confiée donc à Abdullah bin Abdullah. Il était à Nahawand quand il a reçu la lettre d'Amr lui demandant de partir pour Ispahan. Abdullah bin Warqa devait être le commandant des détachements de l'avant-garde. Abdullah bin Warqa Asadi et Asma bin Abdullah devaient être les commandants des deux ailes. Abdullah s'est mis en route. À la périphérie de la ville, il a été confronté par une armée disparante dirigée par le général Persan Astandar. L'officier responsable du premier détachement de l'avant-garde ennemie était un vieil homme expérimenté du nom de Bourachar Shar bin Jazviya, il a combattu les musulmans avec ses troupes et une bataille féroce s'en étant suivie. Abdullah bin Warka a convoqué Jazviya pour un combat singulier et il l'a tué. Après une bataille acharnée, l'ennemi a été vaincu et a pris la fuite. Le général Istandar a conclu une trêve avec Abdullah bin Abdullah et l'armée islamique a marché vers Isparan qui était connu sous le nom de Jay, et l'armée a assiégé la ville. Un jour, le dirigeant de la ville nommé Fazoufan est sorti et il a dit à Abdullah bin Abdullah, l'émir de l'armée islamique, qu'il valait mieux que nous le battions entre nous plutôt que nos forces se combattent. Et la partie de celui qui remportera la victoire sera considérée victorieuse. Abdullah a accepté l'offre et il a dit Choisis qui t'es l'autre, attaquera en premier, toi ou moi. Fazoufane a attaqué en premier Abdullah s'est tenu fermement devant lui. Le coup de son adversaire avait uniquement coupé la salle de son cheval. Abdullah s'est assis sur le dos nu du cheval et il s'est adressé à lui avant l'attaque en lui disant Tiens-toi droit. Fazoufane a déclaré Tu es un homme parfait, sage et courageux. Je suis prêt à conclure une trêve avec toi et à te remettre à la ville. La paix fut donc rétablie et les musulmans ont pris la ville. Selon Tabri, cette victoire a eu lieu en l'an 21 de l'égir. Selon l'historien Baladri, Abdullah bin Boudel bin Warqa Khosaï était le commandant de cette armée et non Abdullah bin Abdullah. Mais l'historien Tabri a écrit que certaines personnes disent qu'Abdullah bin Warqa Asadi, qui était impliqué dans cette bataille, et qui était le commandant d'une aile a été confondu avec Abdullah bin Boudel bin Warqa. Bien qu'Abdullah bin Boudel était jeune à l'époque de Omar, il n'avait que 24 ans lorsqu'il a été tué lors de la bataille de Séfine. Voici les récits sur la rébellion et la reconquête de Hamdan. Après Nahawan, les musulmans avaient également conquis Hamdan, mais ses habitants ont rompu le traité et ils ont formé une armée avec l'aide de l'Azerbaïdjan. Omar a ordonné à Noaïm bin Mokarrin de s'y rendre avec une armée de 12 000. Après une bataille acharnée, les musulmans ont conquis la ville. Le calife Omar était particulièrement préoccupé par l'issue de cette bataille. Le messager a apporté la bonne nouvelle de la victoire. Et à travers lui, le calife Omar a envoyé un ordre à Noaïm. Bin de choisir quelqu'un comme son successeur à Ramdan et de se diriger vers Ray en personne et de vaincre l'armée là-bas et de rester à Ray, car cette ville est le centre de toute cette zone. Il y aura d'autres récits sur d'autres batailles qui ont été remportées à l'époque du calife Rummar. inshallah j'en ferai mention à l'avenir. Je souhaite maintenant mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et dont je vais diriger la prière funéraire après la prière de Jumma. Le premier se nomme Mohamed Tonu, qui est originaire de l'Indonésie. Il est décédé le 15 juillet dernier à l'âge de 46 ans. Inna wa Rajioun. Selon son épouse, le défunt était né dans une famille non Ahmadi. Depuis son enfance, il aimait beaucoup se rendre à la mosquée. Il était aussi différent des autres enfants. Il aimait rester longtemps dans la mosquée pour apprendre à propos des enseignements de l'islam et se consacrer au souvenir de Dieu. Il avait l'habitude de dire que tout cela était une véritable bénédiction pour lui afin qu'il puisse se rapprocher d'Allah. Il avait un ami qui était d'Ahmadi dans le village et quand il était au lycée, il a découvert la Jamaat grâce à cet ami. Le défunt est parti dans la Jamaat de Chilidou où il a prêté le serment d'allégeance. Lorsque son père a découvert son allégeance, il était très en colère. Il l'a expulsé de la maison parce qu'il pensait que son fils était égaré. On ne lui ouvrait pas la porte de la maison. Il devait dormir à l'extérieur. Et cela a continué pendant quelques temps. Ensuite, son père lui a pardonné. Il a commencé à revenir à la maison. En 1997, les responsables lui ont suggéré d'entrer à la Djamia parce qu'il était capable de devenir un mobileire. Il était intéressé par la prédication dès sa jeunesse. Il est donc entré à la Djamia et il a obtenu son diplôme en l'an 2002. Sa première affectation était dans la Jama de Jene Pontova. Étant donné qu'il avait une passion pour la prédication, il partait de village en village avec les prédicateurs. Et par la grâce d'Allah, des centaines de personnes ont prêté le serment d'allégeance par son entremise. Lorsqu'on a commencé la construction de la Mission House, il travaillait lui-même dessus. La djemad n'avait pas de centre à l'époque. L'épouse de la défunt déclare que nous vivions dans une maison très simple et qui était louée. Il n'y avait aucun objet dans la maison. Il n'y avait qu'une couverture, il y avait un oreiller et une natte sur laquelle nous dormions. Et nous n'avions aussi qu'un seul ustensile pour préparer le repas et pour emmagasiner de l'eau. Un jour, Souti Aziz, le chef du département tablier, et le missionnaire de la province Saif al-Youn Saib sont venus chez nous et ils étaient tous deux surpris de voir l'état de notre maison. Et par la suite, la Jamaat de Pontoua a demandé au centre de pouvoir construire une mission et ce bâtiment a été construit. Et par la suite, une mosquée a également été construite. Auparavant, les Ahmadis accomplissaient la prière dans une mosquée commune et ils ont cessé de prier là-bas suite à l'opposition. Ensuite, ils ont commencé à prier dans une maison. La construction de la mosquée a dû faire face à de nombreux obstacles. Les maçons ont refusé de travailler dessus. Et le chef du village a voulu mettre fin au projet. Malgré tous ces obstacles, le défunt n'a pas abandonné et il n'a cessé de travailler sur la construction de cette mosquée et il était très déterminé à le faire. S'il n'y avait pas de maçons, et bien les roudames et les atfales travaillaient bénévolement sur la construction de la mosquée. Il y avait aussi des... Enfants non-Ahmadis qui travaillaient dessus. Lorsque le défunt a été envoyé à Jakarta, il a dû faire face à une grande opposition. Il y a eu à plusieurs reprises des inondations et ces mêmes opposants étaient venus dans notre mosquée pour chercher refuge. Cela s'est passé pendant deux années consécutives. Il y a eu des inondations pendant deux ans et ils venaient chercher refuge dans notre mosquée. Il y avait de l'opposition. Ensuite, il se calmait. Parmi les tâches les plus notables du défunt était de transmettre le message de l'Ahmadiyya à travers la radio et à travers Internet et la transmission du sermon en direct du sermon du calife. On ne transmettait pas en direct les sermons du calife par YouTube à l'époque. En tout cas, il a accompli un travail acharné durant toute sa vie. Il était un missionnaire idéal. Il laisse derrière lui une épouse et cinq enfants, qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il exalte son rang et que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Sabzana Farhan Latif Saheb de Chicago, des États-Unis, qui est décédé quelque temps de cela. Inadilahi wa Ina ilayhi raji'un » Il était l'arrière petit-fils de Hazrat Saibzada Abdulatif euh, Sahib Shahid. Le défunt était un membre actif de la Jamaat de Chicago. Il était toujours prêt à servir la communauté. Il avait toujours le sourire au visage. Il était le premier à saluer ses amis. Il était toujours présent pour accomplir toute tâche au sein de la mosquée. Il a servi comme auditeur de la Jamaat de, de Chicago. Il était moussi. Il laisse derrière lui trois jeunes enfants et des parents âgés. Il avait 45 ans au moment de sa mort. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Il lui fasse miséricorde et qu'Allah fasse que ses enfants soient toujours attachés à la Jamaat. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Malik Mubashir Sahib de Lahore qui est décédé quelque temps de cela, soit le 21 novembre. Je n'avais pas encore accompli ses prières funéraires. Son fils avait demandé que je fasse ses prières funéraires. Il était le fils de Malik Rulam Farid Zeb, un compagnon du Messie premier Il a servi en tant qu'amir djamaat à Daud Khil et il a servi en différentes capacités dans d'autres djamaat. Il a travaillé aussi sur le dictionnaire du Saint-Coran suite aux instructions du quatrième calife. Après le décès de son père Malikur Farid et conformément aux instructions du quatrième calife, lui et son jeune frère ont travaillé sur ce dictionnaire du Saint-Coran. Kala lui accorde son pardon et sa miséricorde. Comme je l'ai dit, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes après la prière de Jumar. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه, ودوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر.